Je ne saurais aller très loin sans pour autant remercier le gouverneur et son staff. Parce que je vous avoue, quand on avait eu l'idée d'organiser cette activité, c'est après plusieurs rencontres de réflexion. Mais pendant les 2 jours, je me suis dit qu'on ne s'est pas trompé de cible. Il a été souhaité que nous poursuivions dans cette dynamique. Dynamique de partenariat, de synergie d'action. Je voudrais donner l'assurance que le gouvernorat du district de Bamako restera toujours à vos côtés et restera toujours disponible lorsqu'il s'agira de questions liées à la sécurité humaine. C'est passionnant, très instructif. Et je pense que pour le mot sécurité, tout son sens a été compris pendant ces 2 jours. Sur l'ensemble du territoire, la sécurité est demandée. À l'intérieur, la sécurité est demandée. Et aujourd'hui, nous en avons tellement besoin que ces 2 jours me semblent insuffisants pour qu'on puisse comprendre le concept. Moi, j'ai de bonnes impressions par rapport à cet atelier parce que 2 jours durant, tout ce qui est attrait à la réforme de la sécurité de la sécurité en République du Mali, nous avons touché du doigt tous les aspects. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, la qualité des intervenants. Ce qui est intervenant, vraiment, j'ai été à un niveau quand même assez supérieur pour me permettre de comprendre tous les aspects liés à la réforme de la sécurité. Troisièmement, la qualité des participants nous a permis de comprendre comment nous devons évoluer et quelles seraient nos attentes par la suite, parce que les recommandations ont été faites et ces recommandations ont trait à une question de redevabilité et que chacun de nous doit pouvoir vraiment animer des forums comme ça au niveau de sa commune. Je m'en réjouis pleinement parce que à l'ouverture des travaux, vu le niveau de mobilisation, j'avais déjà perçu cet objectif que je qualifie de réussite totale de notre activité. Ce qui a été notre satisfaction pendant les 2 jours, c'est l'intérêt que ces participants ont accordé à ces 2 jours d'atelier, mais également leur contribution. Ça a été vraiment un espace de donner et de recevoir. Donc au nom du consortium ADD et du réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique, René Depp, je tiens à vous remercier.